Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pudding and Camembert. On se retrouve avec Damned, salut Damned. Et on se retrouve du coup pour taper un peu sur l'espagnol. Et j'étais en train de me dire qu'une fois que j'aurai sécurisé le détroit et que t'auras traversé, j'enverrai bien 40 000 hommes s'occuper de Naples et compagnie là. Oh oui? Ça va faire un peu de score de guerre. J'hésitais à reculer une armée ou deux justement pour y aller. Non, bah non, on reste dans le coin parce que là il est dans les colonies, là, enfin il est en Afrique chez moi là, avec quand même beaucoup d'hommes. Ah oui. Au moins 60, 40 000, 80, ouais, presque 90 000 hommes. Voilà, tu dis à Stack Wipe 17 bateaux, 43 vont suivre. On bouge pas. Oh non, tant qu'à faire. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Déjà, mais il avait genre 30 ans notre empereur. Ah, c'est dommage. Justement, là, j'avais pris mes doctrines et tout. Attends. Il s'appelait pas Papillote, non? Non, il s'appelait pas Papillote. C'était gratuit, ça. C'est clair. Bon, après, on a maintenant, lui, il est sceptique, coup des doctrines moins 5%, et on a plus le malus à la con, là, qui faisait qu'on avait... C'était comment? Moins 5%, plus 5% d'aspiration à la liberté de toutes les dépendances. Ah oui. C'était un peu de la merde ça. Ah bah ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Du coup, on est un peu mieux. Est-ce qu'on a des mariages à refaire du coup? Je regarde en speed. Alors, Ottoman, il n'y en a pas. Normandie, il faut qu'on fasse le mariage avec la. Ouais, il faut qu'on fasse tous nos mariages en fait. Donc on va commencer par le Normand. Je peux t'en envoyer un si tu veux. Non, c'est bon. Ouais, je t'en ai. Vas-y, c'est parti. C'est fait. C'est pas une consort, tant pis. Après, on va faire la frise. Ok, toujours pas la Picardie. Ah, c'est une république la Picardie maintenant. D'accord. Autre chose. Et Katsina, j'imagine qu'on peut pas. Oh, il est revenu avec ses 3000 hommes pour dessiéger son pays, mais c'est malin mon gars. C'est bien joué. Bravo, j'applaudis. Pour la peine, ce que je vais faire, c'est que je vais t'imposer ma religion pour te remercier. Te récompenser de ta grande fidélité. Où tu es, Katsina, ici. Imposer la religion, bam. Et on va aller te convertir dans la foulée. Parce que pourquoi pas. Ah, on peut pas pour l'instant. Dommage. Vu que de toute façon il est obligé de m'aider dans la guerre puisqu'il est assiégé comme. on va en profiter. Hein. Ah oui. Je compte non, je vais continuer de convertir les flammes de Chobiti en attendant. Alors là il y a une flotte qui se balade aussi que j'aimerais bien m'occuper. Ça y est. Et une flotte de plus pour toi. Ah ça y est. Ça se gère. C'était sa flotte de navires lourds, donc normalement, une fois que ça sera fait, qu'est-ce qui se passe? On a un héritier! Augustus! Augustus, c'est pas possible, non. Ça fait pas très très anglais, quoi. Frédéric William. Non, Frédéric, c'est bien. 2-2-5, c'est pas mal. Et c'est Marie qui sera la nouvelle reine consort. Et c'est toujours Lothian hein, qui fournit les consorts, hein. y a pas à chier. Chaque fois, c'est là-bas qu'on en trouve. Bon, il s'est enfui, ah. Le relou, il s'est mis juste en dessous, si jamais tu veux. J'ai un vaisseau qui est à 44%, ça commence à être tendu. Pardon, je rigole. On a perdu un conseiller, bordel. Qu'est-ce qu'on a de beau à prendre? Moral terrel plus 10%, un anglican sulawésienne. Bah ouais. Putain, on a un cow-boy papou... si on veut, comme... C'est un papou qui a une espèce de chapeau de cow-boy, c'est assez particulier. On va prendre le plus 3 quand même, hein. On n'est pas là pour coller des gommettes, ça va bien. Oh là là, l'empereur là, coup de doctrine moins 5%, modif de coût stabilité moins 10%, c'est bien. Bah dis donc qu'il économe, enfin tu fais des économies avec lui. C'est clair. Et l'impératrice, elle est habile, moins 10% d'impact de l'expansion agressive. Ah, ça va, on est plutôt sur une dynastie potable là. Par contre, la consort, oui, ça s'applique pas son truc. Non, ça s'applique pas, c'est si jamais elle dirige un jour. Ouais. Mais...
qui est toujours temporaire en plus. Ah putain, ici on prend de l'attrition par contre. On va commencer à se déplacer. On peut y aller à pied ou pas? Non, on peut pas y aller à pied, dommage. On va se déplacer par là-bas. Tiens, il y a une petite flotte normande qui campe à Castellon. Ouais, je voulais traverser pour aller prendre les îles et la Corse et tout, mais j'hésite tant qu'il y a des bateaux. C'est que des bateaux de transport, donc... Ouais, bah je vais nettoyer un peu là. Je pense que sa flotte, là, il y a moyen qu'on commence à lui faire vraiment mal. Tu parles de celle-là, là ? Ouais, je parle de celle-là. Elle essaie de s'enfuir dès qu'elle peut, mais... Eh ouais, ça c'est sûr. Il nous a coulé un bateau qu'on avait capturé, c'est triste. Il va aller où maintenant ? C'est toi ? Non, il continue. Si tu veux le réenvoyer encore un coup. Alors, je peux pas... Je peux pas celui-là, par contre. Il faut que je passe par... Il faut que je passe par ton bateau pour pouvoir y aller. Ouais, ne m'embête pas. Ici, il est un peu... Fixe ça tombe à fesses et puis c'est bon. Ah putain, j'ai deux colons qui font rien. Ça va pas du tout. Un là. Un là. Allez, en avant. J'ai deux diplomates qui glandent également. Ça me paraît pas vraiment envisageable dans le contexte. Tous les trucs qui sont à moi là, c'est à la Normandie tout ça. Franchement, ça vaudra presque le coup quand on l'aura écrasé de faire une paix séparée quoi. Juste histoire que moi je me gave à fond sur les colonies et que derrière tu te gaves à fond sur lui. Bah tu peux sur les colonies faire une paix séparée ? Non, je pensais lui demander une paix séparée à lui. Et après, claquer un... Attends, je vais rappeler un mec, on va regarder. Demander la paix. Est-ce que ah, je peux toi, demander... tu veux dire que tu demandes de ton côté ? Ah oui. Oui, tu vois, je lui dis, voilà, concède le Mexique, par exemple. Après, vu que je t'ai filé tous les sièges, j'ai très peu de score de guerre, donc je peux pas demander grand-chose, en fait. Bah après, oui, mais il y a moyen peut-être que je t'en redonne, enfin, faut voir. Ouais, après, tu pourras en redonner, refaire les sièges derrière, enfin, ouais, on pourra faire... À mon avis, il y a moyen de... Se gaver. Ouais, de bien lui péter la tronche. Pas s'en priver. Bon, pour l'instant, on n'a fait aucune bataille avec lui. Hein. Il est toujours à fond dans les colonies là, en train de tout prendre. Ouais, de tout prendre, oui. Bah, qui s'amuse. Hein. Il avait une flotte qui traînait. Elle est où ? Ah, elle est là, sa flotte. Enfin, je vais la chercher après. Bon, du coup, je vais embarquer 40 000 hommes et aller me poser à Naples. Yes. En attendant que tu puisses faire sortir sa flotte là. Plutôt ici, on va débarquer directement sur la... Encore des gens qui gueulent. Ouais, bon, en même temps ça va se soulever sous ses pieds, donc j'ai envie de dire je vais les laisser se soulever les mecs. Ça lui fera un, n'est-ce pas? Bon, ici. Bonne récolte! 50 points de mine, j'ai une idée que ça va nous servir. Geldre qui continue de revendiquer ses trucs. Parce que pourquoi pas. Tout est anglican ici déjà. Ah non, ici c'est catholique. Scandale. Convertissons. Oh là là, mais les points cléricaux, c'est tellement la teuf quoi. Mage Apatite veut un accès militaire, vas-y, s'il te plaît. On peut solder des gens, on m'en fout. Il est parti où? Il s'est replié? C'est désagréable. On va tracer sur sa capitale. Ah, il est là. Il est là, je le vois. Il tente un assaut sur les pieds de nez. Non! Courage, fier pied de nez britannique. Fier pied de nez. Comment s'appellent les habitants du pied de nez britannique? Les pieds de néens. Les pieds de néens. Les naseaux. Les naseaux, ouais, les naseaux, c'est bien. Allez, résistez. Encore quelques jours. Ah, c'est tendu. Non, on va arriver au dernier moment, il va faire un zéro, on va perdre alors qu'on est 40 000. Voilà, c'est bien ça. Coucou. Allez, Fez est tombé. Ah, on l'a pas stack wipe. This is sad. Voilà, ça se soulève. Gérez donc mes rebelles, les gars.
Alors, il a sorti deux bateaux. Ok, pourquoi pas. Nous, ici, on est en position. On débarque. Pour moi, je fais pas le siège à Tétouan. J'attends que tu reviennes, mais... Ouais, je débarque. J'avais un peu oublié mes troupes, là. J'étais dans les colonies. Comment ça se passe ici? Il y a quelques bateaux. Pff, 60 000 hommes, là, qui viennent de défoncer l'Espagne. Ça fait plaisir. Ah, c'est marrant. Ils te donnent les sièges de... des colonies espagnoles. Marrant, ça. Bon, la Nouvelle-Espagne n'existe plus. Ouais, bah ouais. Maintenant, c'est le tour de la Californie. Et de... du Pacifico Norte. C'est beau comme nom. Le Brésil-Castillon n'a plus de troupes. Le Pérou-Espagnol n'existe plus. La Plata non plus. Je pense que cette fois, on est bien. Alors je ne vois plus ces armées sur, sur mes colonies, enfin sur l'Afrique, donc c'est possible qu'ils sont en train de remonter quelque part. De remonter, ouais. Bon, bon, après, on a de quoi l'attendre. Hein. Oui, complètement, ouais. Ah bah ils ont fait le siège de Tétouan, donc du coup ça a bougé. Je vais choper ces 40 bateaux. D'ailleurs, il en a ramené d'autres. Ah tiens, il en a ramené, ouais, ça y est, ouais. T'as tout là. Ah, attends, j'ai une aptitude, qu'est-ce qu'on a de beau? Coup du changement de rivaux, ou... permet l'état d'absolutisme pour baisser la dévastation. Maintenance des forts à la frontière avec les rivaux. On va prendre ça, il y a peut-être moins que ça me serve maintenant que j'ai des terres à l'intérieur du pays. Ah mais j'ai toujours mes 40 000 hommes qui sont en frise quoi. Ça fait oublier. Bon en même temps pour l'instant c'est pas vraiment les troupes qui nous manquent. Non ça va non. À la limite le truc le plus triste c'est que c'est un général 3 étoiles qui est là. Oui, c'est ça. Mais il a zéro de siège, donc il nous servira à rien de toute façon. Ah bah il ramène 37 bateaux à ta rencontre. Alors il va aller les poser dans les îles. Si c'est le cas, t'inquiète pas. Il fait le tour. Hop, on va choper les deux bateaux qui traînaient, parce que pourquoi pas. Non, il est remonté en Méditerranée, là, Côte d'Azur. Il a peut-être des... C'est peut-être des bateaux de transport, il veut débarquer... Non, c'est que des bateaux lourds. Bah qu'est-ce qu'il fout? Non mais sérieux quoi. Ah il a été dans le port. Non mais... Bah écoute je vais aller faire le blocus et puis... voilà. Oui voilà, parce que c'est... voilà. Par contre il exactement. Avait d'autres flottes qui traînaient, je ne vois pas où elles sont parties, ça me... Je crois qu'il y en a une qui est partie vers l'ouest. C'est séparé un peu en deux je crois. Ouais, j'ai toujours une flotte qui traîne là, on va aller faire le siège ici. Ah putain. Le Pérou espagnol est en train de revenir en force. Ah je vais arriver trop tard là. Marche forcée les gars, on laisse tomber le siège, on s'en branle un peu. Ah et le pied de nez espagnol il est un peu trop faible, hein, il a du mal quand même. Hein. Allez, en avant. Ouais les séparatistes peulent franchement pour l'instant. Ils se démerdent hein, le pied de nez mais tout seul c'est compliqué. C'est Brandebourg qui devient le... Ma foi. Pourquoi pas. Non, il a presque gagné. Naples est tombé. Parfait, on va... aller voir ça. Alors déjà... Bam, 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 bam. 2000 hommes ici, 2000 là-bas. Toi, tu te coupes en deux, tu vas là. Et là... Je vais mettre pause le temps de répandre mes troupes, excuse-moi. Là-bas, là-bas... Toi tu vas tout là-bas, toi tu vas ici, toi tu te coupes en deux, tu vas là, et on devrait être pas trop mal normalement. C'est chiant parce que du coup il s'enfuit direct quoi. Ah bah. Ok, les 90 000 espagnols sont en train de poursuivre les 3000 hommes de Katsina dans le désert. Parce que pourquoi pas. Voilà, Marrakech est tombé. Ok, vous me faites chier, on va faire sortir vos bateaux, puisque vous faites les malins. C'est la teuf. Ok, là on est en train d'assiéger tout ce qui traîne. Kutaï a rejoint la coalition contre nous. Bah écoute, Kutaï, j'ai envie de dire, ça t'amuse.
Du coup, t'as la Picardie, le Nivernais, la Frise et la Savoie qui descendent redessiéger les trucs espagnols. J'ai quand même envoyé une armée en soutien au cas où, parce que... Bah ouais, ils sont chauds, là. S'ils peuvent gérer... L'Espagne... Bataille de Naples, défaite, quoi ? Oh putain, les 41 000 particularistes qui pop sur Naples, quoi. Ah merde ! Mien, ça pique. Bon, bah on va s'en occuper une fois qu'on aura fait les sièges qui traînent. Oh là, ouais, mais il y a plein de rebelles. Ah putain, il a chopé mes bateaux, l'enfoiré de transport. Ah merde. Je me suis fait eu. J'arrive. C'est ma faute. Ah, non, mais c'est ma faute, hein, j'ai pas... Non, mais là, j'ai rien à faire, j'arrive. Mes bateaux, là, ils font... Ils attendaient que les 31 000 sortent. Non, tu t'es enfui. J'ai fui, de toute façon, pour le moment, et il m'en a détruit absolument aucun. Il n'a même pas été capable de me détruire un bateau de transport, quoi. Bah, il fait comme... T'as fait comme lui, hein, il arrête pas de s'enfuir, donc... Ah bah oui, je vais pas me priver, hein. Où est-ce qu'il va? Tu vas là-bas? Tiens, je vais te choper. La Méditerranée est à moi, espagnol. Alors ici, on les a défoncés, voilà, on va les redéfoncer, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bataille navale terminée, tiens, mange. On va ici, donc là on a perdu combien? Oh ça va, 2000 hommes, c'est pas la mort. On va vite fait compléter ça. Ils sont réfugiés où ces 55 bateaux? Je les vois pas. Ah ok, il est en train de faire tout le tour l'espagnol pour revenir par chez les Ottomans, quoi. Je sais pas si tu le vois sur ta map au niveau des Ottomans, là. Il est où? Non. Il est du côté de Misrata, du côté de Golfe de Sirte. Il est en train de longer, il va arriver en Égypte, là, mais il va vers la droite. Il part vers la droite, d'accord, non je le vois pas. Je sais pas ce qu'il fout, il va revenir par l'Autriche et puis tomber sur la Normandie peut-être, je ne sais pas. Putain, il y a un sacré paquet de rébellions en Espagne. Ah bah les particularistes, c'est vraiment la plaie. Ah bah je confirme, ouais. Bataille navale terminée, ça y est, il lui reste encore des bateaux, il fait le malin. Sont ses armées. Tu vas envoyer tes 40 000 hommes en Espagne qui font dodo en haut, bah tant pis sur les particularistes, hein, du coup. Ah putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je m'occupe ceux du sud. Ouais, je vais au nord. Voilà, ce serait top. Bon, je m'occuperai de ceux de Naples après, dès qu'on aura pris ça. Efficacité de la marine, 4600 réserves de marins, bah go. Bon, par contre, les rébellions, elles sont un peu reloues là, en Afrique, mine de rien. Ça va finir par se voir. Raid sur nos côtes. Ah merde, on a perdu un théologien. C'est triste. Alors, qu'est-ce qu'on a debout? Ah, le mec il faisait moins 2 de... Plus d'impôts, réduction annuelle de l'inflation... Mais sa culture, non, on pourra pas l'améliorer, donc on va prendre lui. Tant pis pour l'inflation, de toute façon on en a pas. Par contre ça va gueuler niveau agitation là. Hop, une petite répression implacable. Comment ça se passe dans les colonies? Ouais, bah, bien. En Amérique du Nord, bien. Dès qu'ils auront terminé, ils vont descendre au sud et ça se passera bien aussi. Tu continues de bloquer ces bateaux? Bah, c'est bien. C'est tant que tu bloques ces bateaux, du coup, j'en profite, je vais débarquer en Corse. Hein. Bah, fais gaffe, il y a sa flotte de 55, je sais pas où elle est. Du coup, c'est probable qu'elle se soit repliée justement en Corse. Bah pas si sûr, enfin en tout cas je la vois pas. Je vois pas du tout la Corse, c'est du brouillard de guerre donc je sais pas où elle est partie. Eh ben on va vite le savoir, s'il y a un problème je t'appelle. Alors attends, ils sont là les mecs, ici voilà, c'est parti. Là, hop, on complète. Ah putain, je peux pas recruter dans les territoires qui sont pas qui m'appartiennent pas, c'est la tristesse. Je confirme, il y a bien 52 bateaux en Corse. Ouais, bah écoute, je vais faire sortir les 31 et après j'irai m'occuper de la Corse. Pas tu me problème. Diras, je pourrais diviser ma flotte. Hein. Oui, mais bon. Oh, juste histoire d'être sûr qu'ils te sortent pas dessus, quoi. Ouais, je vais pas faire le siège tout de suite de Sazari, par contre, t'inquiète, je vais faire les deux autres. J'attendrai que tu sois à fond pour. Bah, je vais l'empêcher de sortir déjà. Voilà, et maintenant, bah, y a plus qu'à attendre.
Il y a 22 navires lourds, ici on a quoi? 62 navires lourds, oh, ça va. On a coupé en deux, ça va. On n'a pas de d'amiral par contre. Ça peut jouer quand même. Non, c'est bon, il s'enfuit. Pardon, et puis en plus je parle de la Corse, c'était la Sardaigne. Je corrige vite avant qu'il y ait un viewer qui m'insulte. Exact. Donc on peut vraiment pas recruter de troupes dans les provinces qu'on a assiégées. C'était le cas avant, non? Je sais plus. Non, je crois que t'as jamais. Je crois qu'on pouvait pas. Je sais plus. Tu me mets le doute là. Voilà. J'étais quasiment sûr pendant les guerres, on recrutait toujours un ou deux mercenaires dans les provinces assiégées pour foutre la merde et occuper les trucs. Tu sais, tu recrutais toujours 1000 ou 2000 hommes comme ça, la nique quoi. Là, on peut plus. Peut-être qu'on peut recruter des mercenaires par contre. Ah, on peut recruter des mercenaires visiblement. Alors là, on a quoi? Ok. Une petite troupe pas trop chère là. Tiens vous là. Parce que ce qui m'emmerde c'est que du coup j'ai pas assez de troupes pour faire tomber les particularistes. Enfin tu me diras ils sont peut-être très faibles. Hein. On va essayer de les faire tomber. Il nous faudra un général par contre. Pourquoi on n'a pas de général? C'est une blague. Ok, en avant. Bon, du coup, je vais bloquer ces deux flottes. Hein. Normalement, il devrait avoir encore une flotte quelque part, mais je sais pas où. Ici, il faut qu'on essaye d'aller aider parce que ça va partir en cool. Marche forcée, les gars, en avant. Bataille navale terminée. Ah, il est sorti. Ok, on a défoncé. On a perdu un bateau quand même. Ça joue hein, de pas avoir d'amiral, hein, mine de rien. Ah bah oui, c'est clair. En plus, c'est la flotte avec les navires lourds. On est à combien de généraux? 5 pour 5. Ok, on a réussi à écraser les particularistes, c'est parfait. Allez, je monte sur Cesari. Ah, il y a des paysans qui se sont soulevés à Madrid. Je m'en occupe. Ok, l'Espagne est en train de gérer mes rebelles tant bien que mal, ça me va. France, toujours un enthousiasme de guerre élevé. Hein. Ouais, bah elle est pas du tout assiégée, hein, donc. Bah oui, c'est vrai. Vu qu'avec ses 9000 hommes et ses Space Marines, elle a réussi à esquiver les 119 colonies. Et pour l'instant, je suis un petit peu occupé par les autres colonies de l'Espagne. Ok, tu vas là, on va attendre que tu sois lock. C'est parti. Non, merde, trop tard. Tu me casses les burnes, machin. Qu'est-ce qui se passe? Politique incomprise. Perte de la stab, non. Une révolte. Après, ça fait perdre du score de guerre, les révoltes, donc c'est pas plus mal. Allez, là on va le choper enfin, ce petit con. Allez, attrape-le. Attrape-le ! Oui. Oui. Ah là ! Le petit stack web qui fait plaisir. Bataille de Madrid, c'est fait. Et il y a eu aussi une bataille navale. Ah bah oui, c'était ces bateaux qui étaient là, qu'on a chopé. Et parfait, moi c'est bon, je rembarque mes troupes, j'ai fini mes petites îles. Attention, il est en train de sortir sa flotte, mais je devrais la choper avant qu'elle t'attrape. Ouais, de toute façon je pense pas qu'il ait le temps de m'attraper, mais dans le doute. Non mais c'est bon, je l'ai attrapé au vol en passant. Oh, t'as pris un joli plus 4 bateaux là. T'es passé de 200 à 204. Il me semblait que, non, il y a une flotte, il y a la Savoie qui m'aide. Ah, ah oui, pardon, autant pour moi. Allez, on va... Allez, les faire sortir là, ensuite ils vont se réfugier ici, on les fera sortir là, et on sera bien. Ensuite, ici, ça se passe comment? Il va falloir qu'on aille s'occuper de la France à un moment. Hein. Ah ouais, là ça y est, c'est l'ennui. Hein. Bon, l'Espagne est en train de reprendre mes territoires pris par des rebelles, c'est toujours bien. Par contre, le Nivernais est en train de taper des rebelles Tombouctou et Ouyant. Ouais, j'avoue que je suis pas descendu jusqu'à là, j'ai un peu la flemme d'aller aussi bas.
Ouais, ouais, non, bah écoute. Ah putain, il y a des fanatiques catholiques en Savoie, quoi. Enfin, je vois que t'es pas très loin. Ouais, exact. Ok, là, on va pouvoir les défoncer. 65 bateaux de nouveau contre nos 204. Au bout d'un moment, ils vont couler, hein. Ah oui, il a plus que 10 navires lourds. C'est la fête. Allez, on va attendre qu'il se réfugie dans son port. Une fois qu'il y est, on va faire coucou, on te fait sortir. Espagne occupe des trucs. Ah putain, il est là. Oh là là, mais il est vraiment, il cherche les points. Il sait qu'il peut pas nous affronter militairement. Hein. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, il est toujours en chez les Ottomans ou pas? Absolument il pas. Me fait une... Il me fait une œuvre de paix. Ah. Ah. Ah, il donne des choses hein, quand même. Hein. Ah bah oui, je pense que là, il doit sentir le pâté. Hein. Je vais tester une offre de paix séparée en speed pour voir. Ah oui, il est... Putain, et franchement, il... rien qu'à lui tout seul, son offre de paix, elle fait... déjà il me donne deux territoires. Il en donne un à la Malouisiane, 4 à la flamme de Chobiti, 2 aux vengeurs bretons. Il cède à Naples 8 provinces et il libère le Maroc. Bah putain. Ah oui, il y a moins c'est de... Bien le défoncer hein. Quand même. Hein. Bien sûr, j'ai refusé, bien évidemment, mais... Mais quand même. Et la petite doctrine impact de l'expansion agressive, moins 20% qui fait plaisir. Ok, tout Naples est pris. Il n'y a plus aucun endroit où se replier, donc j'imagine qu'il va se barrer avec ses bateaux à l'autre bout du monde. Vraiment dans une colonie. Bah du coup, moi si je lui fais une offre de paix, qu'est-ce que ça dit? Alors, effaçons les offres. Concède le Mexique, ça c'est pas possible. Concède le Brésil, oh. Il nous concéderait tout le Brésil castillan. Ah non, c'est juste ce tout petit bout là. Bizarre. Comment ça se fait? Il y a deux Brésils en fait, c'est étrange. Il y a deux Brésils. Ah oui, non, mais d'accord, c'est les provinces du Brésil, mais qui sont pris par le Pérou. Ok. Ah oui. Subtil. Subtil, subtil, mais espacé du coup. Avec tous les. Le score de guerre qu'on a, c'est pas possible, malheureusement. Alors, on va aller s'occuper du coup des... de l'Afrique, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut y aller à pied? Probablement que oui. Oui, on peut y aller à pied, en avant. Merde, on a perdu notre réformateur naval. Eh ben dis donc. Ils tombent comme des mouches, nos mecs. Réputation diplomatique plus 1. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. Attends, j'ai 8000 de blé, quoi. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces sous? Un peu de comme ça. On va faire des bateaux. Excuse-moi, je dépense un peu de sous. De toute façon, il faut que je calme les dépendances. Hein. Donc, il faut de la force militaire et maritime, n'est-ce pas? Mais oui, je comprends bien. Allez, il nous reste une province ici qui ne fabrique pas de bateaux et une autre là. Voilà, c'est parti. Ensuite, donc on était en train d'embarquer nos gens là, hop, et de se pointer ici. Alors ici on a pris la capitale du Brésil, il y a 23 000 hommes du Pérou là qui se sont refaits. On va s'en occuper vite fait. J'apprécie pas trop qu'on tape sur mes colonies, figurez-vous. Ça y est, la France va commencer doucement à céder. Sa capitale est assiégée. La Suisse a rejoint la coalition contre nous. Mon dieu.
que c'est indélicat de leur part. N'est-ce pas ? Katsina qui a refait ses troupes et puis qui gère tranquillement son petit bout de territoire, quoi. On a trop de points. Faisons un peu de répression implacable. Pourquoi pas. Allez, ici, on débarque avec nos 30 000 hommes. Alors ici, il va où? Il va là. Merde, je l'ai raté. Dommage. Alors, j'ai l'impression que je me suis fait une bataille. Ça devait être une connerie qui traînait sur le chemin. Alors là, on va réussir à choper des gens. Qui ça va être? Tout le monde. Il y a 32 000 hommes. Parfait. Boum, boum. Oh là là, qu'est-ce qu'on leur fait mal. Cette violence. Oh, le mec, il avait fait 32 000 hommes, non 22 000 hommes, non 32 000 hommes, je crois. 22 000. Il s'est tout fait stack wipe. Et bim. Ça fait mal par où ça passe. Bon, il va falloir qu'on s'occupe aussi des rébellions à un moment. Alors. Dommage, 18% de score de guerre hein, quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça commence à monter. Hein. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas un petit bouton siège automatique ou un truc du genre. Là. C'est clair. Pour automatiser un peu, quoi. Ouais, pour dessiéger un peu automatiquement hein, tous les trucs là. Alors attends, là je vais mettre pause pour calculer mes déplacements. Là on scinde. Toi tu vas là, toi tu vas ici. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Effectivement, le français commence à céder quand même. Tu vas ici, toi tu vas tout là-bas. Toi tu vas sur le truc là. Là on coupe encore un peu. On va à Gabou. Ici, encore 5000, il y a encore 1000 espagnols qui traînent, on va leur envoyer cette armée là. Et ici le commandant c'est qui? Benjamin Beresford. Benjamin Beresford, tu viens sur ces 9000 hommes et tu t'occupes des 1000 péons. Ça appartient au Pérou espagnol ce petit territoire là? Non, c'est l'Espagne. Ouais, la France elle s'est fait assiéger sa capitale, mais elle a toujours 10 000 hommes et résiste. Hein. Ouais. Elle lâche rien. Bah, en soi, t'enverrais une armée, ça passerait tout seul, mais c'est sûr que là, bon. Ouais, le problème c'est un peu isolé, quoi. C'est de réussir à les choper, quoi. Faut avoir le nez dessus, sinon, hein, c'est pas possible. Le terrain il est beaucoup trop grand. C'est ça! Allez, go là-bas. Pareil, attends, je remets pause 2 secondes pour gérer mes déplacements. Toi tu vas ici, toi tu vas là. Je zoome un peu, toi tu vas là. Toi tu vas sur le truc assiégé, toi tu vas là. Toi tu vas ici. Toi, bah tu termines. La bataille navale terminée, qu'est-ce qui se passe? L'impératrice consort du peuple. Agitation dans le pays, moins 2. Bah oui. Bah complètement. Surtout que ça nous coûte 700 ducats et qu'on en reprend 1200 avec le truc clérical. Autant dire qu'on va pas s'emmerder. Alors là on va... 3875 d'or, l'Espagne. Ouf, bah dis donc, il résiste. Il a pas encore pris de mercenaires, hein, si. Il doit avoir des mercenaires dans son... Non, c'est pas ça. Armée nationale... L'Espagne, il a toujours ses 27 mercenaires, hein, zéro réserve, mais on lui a tellement fait, on a fait tellement aucun combat en fait que ça se voit pas quoi. Bah ouais, c'est ça. Je pense que le pire c'est les colonies, tu regardes les colonies, zéro, 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 zéro. Ouais, c'est clair. Ah la vache, cette violence. Ah mais sur des territoires aussi grands, ils finissent par vraiment esquiver les combats quoi. Eh oui, c'est le problème. Mais bon, c'est pas grave, on va dessiéger les trucs tranquillement.
D'ailleurs, j'avais une armée qui était en route là, elle est où? Elle est là. Bah écoute, toi tu vas tracer ici. On va t'embarquer et t'envoyer t'occuper du cap. Ces troupes sont toujours là, ouais, ces troupes sont toujours là, on va pouvoir les choper. On va peut-être pouvoir faire une bataille. Attention. Ouh, mais c'est qu'il y a des bateaux ici. 65 bateaux, mine de rien. Je vous ai vu, je vous ai vu. Oh, le vaisseau amiral du Brésil Castillan coulé. Allez, bim. Gain de 5 en prestige. On l'a même pas capturé, c'est presque dommage. Bon, ici on va rentrer se réparer un petit peu et on va essayer de choper la France. La France est quasiment terminée, hein. Ouais, elle a 10 000 hommes encore qui se baladent. Demandons la paix et lassitude de guerre. Bon, les gars, non mais oh, la lassitude de guerre, foutez de moi. Il y a 1,23 de lassitude de guerre, quoi. Sérieux. Oh, les mecs, ça va, c'est tranquille. Je rêve. La glande, quoi. Bon, j'ai 0,99. Oh là là, la violence. Ah ouais, non mais... On leur a marché dessus, faut dire ce qui est. Putain, mais pourquoi même on a de la lassitude, qu'est-ce qui se passe? Port de métropole sous blocus, demande la paix, usure. Ah ouais, ok, très bien. Admettons. Bon, ce qui m'aura coûté cher, c'est la répression implacable, mais étant donné que ça ne me coûte quasiment rien en thunes, autant dire que ça va. Bon, la France, je pense que tu vas peut-être même pouvoir demander la paix et tout filer à qui de droit. Yep, j'attends que le dernier truc soit capturé. Ici, il y a quelques rébellions qui pètent, mais les colonies s'en occupent. Bon, il y a 60 000 hommes des colonies au fin fond de l'Alaska, là. C'est marrant, je peux en filer que 3. Ah oui, bah par contre... Ouais, y a 3 territoires qui sont refusés par... Enfin, les 119 colonies les refusent. Je peux en donner que 3 sur 6. Ah ouais, les 119 colonies les refusent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces connes? Bah tant pis. Ouais. Ah ouais, non, elles veulent pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ça sera toujours ça de prix. Hein. Ah, après, attends, il y a rétrocéder. Bah si je rétrocède... Alors, je comprends pas. Si je cédais, ils veulent pas. Par contre, si je vais dans rétrocéder une ou plusieurs, je comprends pas trop parce que je peux le choisir. Donc, ça marque qui cède à 119 colonies ses provinces légitimes. Hein, et quand je mets le curseur dessus, ça dit qu'il les refuse. Mais bon, ok. J'ai l'impression que je peux aller à 5 en faisant un petit subterfuge. 5 sur. Bah ouais, il y a des colonies qu'on avait dû lui piquer, je pense, une fois on avait fait une... Enfin, qu'on avait dû lui redonner plutôt quand on avait fait une guerre quelconque contre l'Espagne, que c'était pas hyper bien passé. Bon, bah écoute, je lui donne... Bah il va garder qu'un territoire, je lui prends tout son score de guerre, enfin je prends toute sa thune, même si je m'en tape, et j'annule tous ses traités, avec la Colombie portugaise, les Caraïbes et l'Espagne. Voilà. Go. Écoute. Bisous. J'aurais pu imposer la religion. Ah oui, j'ai pas regardé, tant pis. Bah voilà, donc ça les a donné de force à 119 colonies. Et il lui reste juste le capital au milieu, c'est dégueulasse, mais... J'avoue. Oh, attitude française envers Normandie, amicale. Ah oui. Ouais. Moi, elle est inquiète. Ouais, bah tu m'étonnes. Alors, de mon côté, est-ce que je peux demander un truc? Je suis à 21% de score de guerre, donc c'est pas fou, hein. Clairement. Ouais, mais après je peux te redonner plein de trucs en Espagne et les reprendre dans la foulée, on a dit. Hein. Genre, la capitale déjà. Je vais essayer de donner les plus gros trucs. C'est vrai qu'on peut faire ça, ouais. Ça me gêne pas, hein. Ça se tente. En plus, je suis en train de dessiéger les derniers trucs qu'il avait assiégé en Afrique. Après, il y aura le Cap éventuellement, mais... Juste que c'est long, ça aussi. Ah, on peut peut-être... Ah, on peut... Ah, avec Mage, on peut en faire plein d'un coup. T'es sérieux? C'est vrai. Ouais. Mage. Tu fais Mage pour sélectionner plein de territoires. Attends, j'ai pas encore fait le clic. Oh là là. Et si je fais occuper Grande-Bretagne. Oh non, ça le fait un par un. Oh non. Non, on y aura cru.
On y aura cru. Putain, le jeu est tellement 2.0, putain. Bon, de toute façon, l'épisode est très long, il va falloir qu'on s'arrête, donc on pourra peut-être gérer la paix tranquille dans le prochain. Yes. En plus, il y a 30 000 hommes à ta file à fête, là, qui commencent à s'approcher de tes provinces occupées. Tu vas pouvoir peut-être avoir un accrochage. Ah bah oui, c'est bien ça. C'est bon, tu peux mettre fin à l'épisode pendant que je continue mes petites... Bon, je suis assez passionné de voir que l'Ottoman n'arrive pas à terminer sa guerre parce qu'il envoie ses hommes 30 000 hommes par 30 000 hommes dans le dernier bout de ta file à fête et que vu que le ta file à fête en a 36 000, il les défonce au fur et à mesure. Ridicule. C'est la tristesse, ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, il a encore 364 000 hommes, hein, mais du coup, il a plus que 21 000 de réserve. C'est quand même triste, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bref, du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.